Bien, bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui deux séquences, une sur l'Église universelle avec l'abbé Pagès. Nous allons parler ensemble de la bataille qui se joue en ce moment à Rome et dans l'Église universelle à propos du célibat sacerdotal. Et ensuite, nous allons recevoir Denis Sureau, qui était déjà là la semaine dernière, mais qui vient aujourd'hui nous parler de son petit groupe de presse, notamment dédié à la transmission catéchétique, le groupe Transmettre, les publications de catéchèse Transmettre. Donc deux séquences, l'abbé Pagès et Denis Sureau. Et donc, pour commencer, je me tourne vers l'abbé Pagès. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes déjà un vieil habitué de ce plateau. Vous venez souvent de ce côté-là du plateau pour recevoir des convertis de l'islam. Vous êtes très engagé dans l'apostolat à destination des musulmans. Vous faites partie de ces prêtres qui se préoccupe beaucoup de l'apostolat à destination notamment de nos compatriotes musulmans. Mais aujourd'hui, on parlera de choses absolument différentes. Aujourd'hui, nous parlons de cette exhortation post-synodale qui doit incessamment paraître. Je précise juste pour les amis téléspectateurs qui nous écoutent que nous enregistrons cette émission le 11 février et nous attendons dans les jours qui viennent, peut-être aujourd'hui, peut-être dans la semaine, l'exhortation post-synodale après le synode sur l'Amazonie, dans laquelle il y a un risque très sérieux qu'il y ait une brèche dans le célibat sacerdotal, qu'on dise à titre exceptionnel pour l'Amazonie, on peut ordonner des hommes mariés. Évidemment, on sait très bien que si c'est à titre exceptionnel pour l'Amazonie, dans deux ans, ça sera à titre exceptionnel pour l'Allemagne, puis pour la France, puis etc. Et donc, cher monsieur l'abbé, on a besoin, Dieu merci, des cardinaux, des papes ont parlé, mais on a besoin de prêtres qui disent clairement leur attachement à ce trésor de l'Église latine qu'est le célibat sacerdotal. Et voilà. Merci, Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de ça. Avec joie. Effectivement, et je crois que c'est important de commencer par voir que cette question du célibat, elle s'enracine dans la distinction entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel. Absolument. Si on ne comprend pas bien cette distinction, Absolument. On ne va pas comprendre l'intérêt et l'enjeu du célibat. Absolument. Et donc, je voudrais rappeler ici que tout baptisé est appelé, comme le dit saint Paul, à s'offrir lui-même comme une hostie vivante, sainte, en vertu de son baptême, étant membre du corps du Christ. Chaque fois que le sacrifice de Jésus est célébré à la messe, quand il répond « Amen », il dit « Moi, je ratifie pour mon compte, en tant que membre du corps du Christ, l'offrande de moi-même, puisque je suis uni au Christ et que le Christ s'offre là à la messe, eh bien, par lui, avec lui et en lui, Père, je te donne ma vie. » Donc, tout baptisé est appelé à être prêtre en s'offrant lui-même. – Toute l'Église est un peuple sacerdotal. – Voilà. Mais le prêtre, il a une autre sacerdoce. – Et il y a une différence de degré, de nature, et pas seulement voilà, de degré. – Voilà. Et donc, quelle est cette différence de nature? C'est que le prêtre, lui, non content, comme les fidèles, de s'offrir lui-même à la messe, il offre le sacrifice de Jésus. Or ça, tout le monde comprend que personne ne peut offrir le sacrifice d'un autre. Qui peut aller devant Dieu le Père, avec Jésus sanguinolent dans les bras, lui dire « je te l'offre ». Hein, c'est monstrueux. C'est justement, d'ailleurs, un des bénéfices des progrès que Jésus a apportés dans l'histoire de la révélation, c'est que Dieu a fait passer l'humanité des sacrifices humains au sacrifice d'animaux avec Abraham lorsqu'il a refusé qu'il offre son propre fils, et puis Jésus, il va faire passer le sacrifice d'animaux au sacrifice de lui-même. Ouais. Et donc, à la messe, Jésus rend présent son propre sacrifice. Et personne ne peut offrir le sacrifice d'un autre. Ouais. Chacun peut offrir que son propre sacrifice. Or, le prêtre, lui, il est l'instrument par lequel Jésus va offrir son propre sacrifice. Ce qui veut dire qu'il y a nécessairement une relation intime entre lui et Jésus, puisque
comme l'a rappelé le cardinal Sarah dans ce magnifique livre, Benoît XVI, le cardinal Sarah. Voilà. Des profondeurs de nos cœurs, qui est un très très beau cri d'amour pour le sacerdoce d'abord et vrai, pour le célibat. C'est vrai. Il y a donc un lien ontologique entre la personne du prêtre et la personne du Christ. Puisqu'on ne voit pas comment le prêtre pourrait servir d'instrument à Jésus pour s'offrir et ne pas s'offrir lui-même. Absolument. Donc il y a un lien par lequel Jésus s'identifie au prêtre et le prêtre est identifié au Christ. C'est pour ça que, par exemple, le curé d'Ars disait que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, ou que saint François d'Assise disait « Si je voyais un prêtre et un ange cheminer côte à côte, je commencerais par saluer le prêtre. » Parce que le prêtre, il est le Christ, du fait qu'il rend présent le Christ, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on dit, c'est le B.A.B. du catéchisme, mais quand il agit in persona Christi, c'est pas juste un masque, il est vraiment le Christ quand il dit « ceci est mon corps ». Voilà, et donc il y a une différence entre ce qu'aujourd'hui dans le synode est en jeu, c'est-à-dire comprendre le sacerdoce comme étant simplement une fonction. Absolument. On a un problème de nombre de fonctionnaires, donc on va multiplier les titulaires de l'organisation, voilà. Alors que, comme le rappelait très justement Cardinal Sarah, le sacerdoce, c'est un appel de Dieu. Absolument. Et ceci n'a pas été, je trouve, exprimé dans cet ouvrage, mais il faudrait montrer que le célibat aussi, d'ailleurs l'étymologie le dit, ça vient de deux mots latins, celi, le ciel, et habitare. Jésus nous a appris qu'au paradis, on ne se mariera plus. Et donc, parce que le prêtre est chargé de conduire les âmes au paradis, par son célibat, déjà, il vit de cette vie. Il habite le paradis. Exactement. Absolument. Et c'est pour ça qu'il peut... Par anticipation. Exactement, par anticipation. Il est déjà participant du paradis, et c'est pour ça qu'il va pouvoir conduire les gens au paradis. C'est pour ça que le célibat est très très précieux. On ne devient pas prêtre de père en fils dans l'Église catholique. Absolument. On peut être pope de père en fils, imam de père en fils, rabbin de père en fils, pasteur de père en fils, mais on n'est pas prêtre de père en fils. D'ailleurs, le pape François, en 2010, avant donc son élection au trône pontifical, dans un livre intitulé « Ciel et terre », il dit que si un prêtre avait succombé à la tentation de la chair et été retrouvé père d'un enfant, il devrait quitter le sacerdoce pour s'occuper de son enfant. Donc je vois pas bien si ça c'est la règle à suivre, comment aujourd'hui on pourrait ordonner des hommes mariés, quoi, pour être prêtre, n'est-ce pas ? D'autant que le cardinal Sarah là-dessus a des mots qui sont très précieux pour nous qui venons de vieux pays de chrétienté, on n'a plus l'habitude de la mission, mais il explique très bien... On peut avoir des catéchistes, c'est très précieux, c'est une vraie mission, donc que des fidèles transmettent la foi dans leur village, dans leur zone reculée, c'est très bien, c'est génial, c'est parfait, mais on a besoin de cette oasis qui vient à nous, qui est le prêtre entièrement consacré, et en particulier il raconte, moi j'ai trouvé ça très émouvant quand il dit, donc il est prêtre guinéen à l'origine, oui. et donc il raconte qu'après 500 kilomètres ou je sais pas combien de kilomètres, il arrivait dans des villages reculés, il apportait la messe pendant 48 heures, 72 heures, et les fidèles étaient arrivés à la source, quoi. Ils étaient émus aux larmes de voir arriver un prêtre consacré chez eux. Et donc, on a besoin de voir, d'un côté, cet engagement radical. C'est fondamental pour nous d'avoir des prêtres qui croient vraiment au point de consacrer leur vie à ça. Et de l'autre côté, c'est fondamental de ne pas mélanger les genres. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le prêtre, ça sert aussi à enseigner la foi, bien sûr. Mais c'est pas d'abord ça le sujet du prêtre. Le sujet du prêtre, c'est d'abord d'apporter Jésus. Voilà, exactement, apporter Dieu. Et c'est l'homme de la messe. Absolument. Aujourd'hui, ça a été ridiculisé dans les enseignements très courants, dans les séminaires et ailleurs. Non, le prêtre, c'est un homme là qui est là pour rassembler le peuple, animer le peuple. Non, le prêtre traditionnellement, c'est l'homme de la messe. Absolument. C'est celui qui offre le sacrifice, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Absolument. Absolument. Et ça, c'est vraiment un miracle de savoir qu'on peut participer au sacrifice du Christ.
Jésus, il a donné ce sacrifice avant de mourir, hein, pour que nous, on puisse mourir avec lui et mourir d'amour. Quand on va à la messe pour mourir d'amour, pour se donner à Dieu. Donc, il n'y a rien de plus grand que ça. Et ça, on comprend bien que ce n'est pas à mesure humaine. Comme l'a dit très justement le cardinal Sarah, le sacerdoce, donc, c'est procède d'un appel de Dieu. Et l'Église reconnaît cet appel. Alors que dans le fait de vouloir ordonner les hommes mariés, c'est l'Église qui procède comme une administration et qui dit, voilà, moi, je gère... J'ai besoin de machin, machin et machin. Voilà, voilà. Absolument. C'est moi qui vient recruter, quoi. Voilà. Mmh. Donc l'Église va redevenir une institution humaine. C'est elle qui gère les problèmes en fonction de ses moyens. Non. Et j'ai beaucoup aimé que le cardinal Sarah rappelle l'urgence, l'importance de prier pour des prêtres, pour les vocations. Absolument. Parce que c'est un don de Dieu. Absolument. Notre religion, c'est pas nous qui la fabriquons, nous la recevons de Dieu. Mmh. Et si on vit pas dans cette dimension-là, ben on passe à côté on passe à côté du salut, quoi. Et accessoirement, il y a aussi un autre élément qui est beaucoup abordé et par Benoît XVI et par le cardinal Sarah, c'est on fait pas attention, quand on parle de la crise des vocations, on fait pas attention que c'est d'abord une crise de la foi, c'est d'abord parce qu'il n'y a plus de fidèles qui croient, enfin plus assez en tout cas de fidèles qui croient que nous recevons notre vie d'en haut et que nous n'y pouvons rien en quelque sorte. Nous pouvons prier pour ça, mais nous n'y pouvons rien. C'est parce qu'il n'y a pas assez de foi qu'il n'y a pas assez de prêtres. Et il y a un rapport très intime entre l'absence, notamment dans nos sociétés sécularisées, où on est tellement gavé de toutes sortes de choses qu'on ne veut plus, on n'a plus besoin de Dieu. Si on n'a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de prêtres. Et moi, je trouve que c'est vraiment fondamental qu'on revienne à l'essentiel. L'essentiel, c'est la foi. Et le célibat sacerdotal est le signe par lequel on nous envoie le message que, bien sûr, ça n'est pas nous qui décidons. C'est ça, tout à fait. Et que le prêtre, il doit vraiment s'identifier au Christ. Absolument. Il n'est pas simplement là quelqu'un qui remplit une mission pour un temps donné. Il est identifié au Christ pour toujours. De même que sacerdoce de Christ, il est éternel, il est en Dieu. Le Christ, quand il accomplit l'œuvre du Christ, lui aussi, c'est pour toujours. Il se prête pas, il se donne. Sinon, il contredit le signe qu'il accomplit en accomplissant l'acte de la messe, absolument, n'est-ce pas? Absolument. C'est un don de soi. Et d'ailleurs, il y a une relation magnifique entre le célibat et le mariage. Absolument. Parce que le fait que des hommes soient capables de choisir le célibat, ça signifie que le mariage n'est plus, on pourrait dire, une fatalité. On n'est plus obligé de se marier. C'est l'objet d'un choix. Mmh. Je peux, moi, choisir de devenir célibataire, de m'engager dans la vie religieuse ou sacerdotale, ou bien me marier. Mmh. Et donc, c'est vraiment, à ce moment-là, le mariage trouve sa vocation à plein régime, quoi, parce qu'elle procède vraiment d'une liberté. Absolument. Donc, ça peut être un acte d'amour. On voit qu'à quel point diminuer le célibat, c'est aussi diminuer la famille. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait pour rien qu'il y a ça se répond l'une à l'autre, hein. Cette attaque contre l'indissolubilité du mariage, d'un côté, avec la petite note d'Amoris Laetitia qui dit, dans certains cas exceptionnels, etc., et la petite note qu'on attend malheureusement, enfin Dieu nous en préserve, mais qu'on attend malheureusement sur l'exhortation post-synodale, dira dans certains cas exceptionnels le célibat n'est pas fondamental. L'une et l'autre se renvoient la balle pour dire l'engagement en fait c'est quelque chose de superflu, la consécration c'est quelque chose de superflu. Mais dans ces cas-là le baptême c'est quelque chose de superflu aussi. Et dans ces cas-là comment est-ce qu'on est sauvé? On n'est plus sauvé du tout en fait. Évidemment, je prie pour qu'on évite que l'exhortation post-synodale ouvre cette brèche, mais il est certain qu'on aura besoin d'un sacerdoce fidèle, un sacerdoce qui tienne, notamment sur le célibat sacerdotal. Mmh, tout à fait. Cher monsieur l'abbé, merci beaucoup d'avoir eu le courage de parler. On a vraiment besoin de prêtres qui se réjouissent d'avoir été pleinement consacrés à Dieu. Évidemment, Dieu merci, c'est la majorité, hein, mais on a besoin, quand on entend ces gros porcs, pardon, d'évêques allemands là, qui disent, qui sont des fonctionnaires, hein, pardon, ils sont pas tous des fonctionnaires, Dieu merci, mais c'est insupportable de voir cette conférence des évêques allemands qui, tellement gavés d'argent, qui sont des fonctionnaires de Dieu, comme disait le Reverman, qui n'est pas exactement mon saint de vitrail préféré, mais enfin, c'est vraiment des fonctionnaires de Dieu. On a besoin de prêtres consacrés, y compris
dans leur vie personnelle, c'est-à-dire y compris dans le célibat, y compris dans leur dans la pauvreté, y compris dans le fait qu'ils dépendent intégralement du service de l'hôtel. Peut-être, monsieur le ministre, je voudrais dire que dans les églises orientales, parce que c'est souvent utilisé pour dire, regardez, le célibat, c'est une question de discipline et non pas, comme vous l'avez dit, d'une relation ontologique. Voilà. Il faut bien remarquer que dans les églises orientales, si un homme marié peut devenir prêtre, un prêtre ne peut pas se marier. Ça signifie quoi ? Ça signifie que lorsqu'on est ordonné au service de l'autel, on devient continent. D'ailleurs, il y a une gêne, je trouve, aujourd'hui encore, lorsqu'on parle de ces questions, entre célibat et continence. On n'ose pas utiliser le mot continence, on emploie le mot célibat à la place. Alors qu'il s'agit de continence. C'est parce que celui qui est ordonné au service de l'autel devient continent que son mariage serait invalide. C'est pour ça qu'il ne peut pas se marier. Et pourquoi aujourd'hui, lorsque on ordonne un homme marié, diacre permanent, l'évêque va lui demander, s'il devient veuf, de ne pas se remarier? Tout simplement parce qu'en devenant diacre au service de l'hôtel, il devient continent. Absolument. Mais ça, on ne leur dit pas aujourd'hui aux ordinants. Absolument. Donc c'est dramatique, on voit qu'on perd la tradition. Absolument. Et c'est cette exigence que pourtant on continue à faire prévaloir dans les préparations au diaconat, on n'explique pas. L'évêque va demander aux ordinants, si vous devenez veuf, on ne vous demande pas de vous remarier. Mais il n'explique pas pourquoi. Parce que tu es continent. Est-ce que tous les ordonnés aujourd'hui au diaconat permanent se sont engagés à la continence? Et pourtant, la tradition, c'est ça. Mais c'est ça. Parce que c'est la continuation de la tradition des prêtres de Lévi qui, pour rendre le sacrifice au temple, étaient tenus à la continence. Exactement. Et Benoît XVI, dans ce livre, montre bien, effectivement, comme vous le dites, que et d'ailleurs, même toutes les religions païennes ont compris que pour la pureté de leur culte, il y avait Une question sexuelle, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Oui. Il faut qu'on conclue aujourd'hui, à l'instant. Mais merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Nous allons tout de suite enchaîner avec Denis Sureau. Mais merci, monsieur l'abbé. Je vous en prie, merci à vous. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et je reçois de nouveau Denis Sureau. Rebonjour Denis. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Donc vous étiez là la semaine dernière pour parler du frère Laurent de la Résurrection, sur lequel vous venez de publier une biographie et de publier les écrits spirituels. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de votre groupe de presse. Vous dirigez notamment la lettre Transmettre et un certain nombre de... une maison d'édition pour catéchistes. Expliquez-nous un peu comment vous êtes arrivé dans ce métier exotique de l'édition pour catéchistes. Alors en fait, j'ai repris en 1998 les activités de l'association Transmettre, qui avait été créée par Monique Berger, c'est ça, hein. Voilà, qui avait créé un petit bulletin qui s'appelait Apprenez-nous à prier, qui avait pour but très modestement d'aider des jeunes familles qu'elle connaissait dans la formation religieuse des jeunes enfants. La transmission de la foi. D'autant qu'à l'époque, on ne pouvait pas dire qu'on était tellement soutenu par l'Église institutionnelle. Voilà, on était. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le catéchisme était un peu défaillant. Voilà, ils étaient toujours défaillants. Bon, peut-être le sont-ils un peu moins actuellement. Il y a un peu de progrès depuis. Bon. Et donc, Monique Berger commençait à être un peu âgée, cherchait un repreneur de son œuvre naissante. Et donc, j'ai repris Transmettre. Alors, Transmettre, c'est à la fois une revue mensuelle qui s'adresse à la fois aux parents et aux catéchistes et qui est une revue qui d'une part donne des conseils pédagogiques pour transmettre la foi et puis aussi donne un contenu en fait, un contenu parce que les jeunes parents d'aujourd'hui justement sont ceux qui ont assez peu reçu, très peu reçu. Pour transmettre il faut avoir reçu et donc il y a un aspect un peu de formation permanente. Donc, il y a un vrai défaut dans, pendant très longtemps on a pensé que le catéchisme c'était fondamentalement de la pédagogie, que tout le monde savait qu'il suffisait d'aider à découvrir ce qu'on avait en soi, mais voilà, mais c'est donc, plus tout à fait le cas. Transmettre avait pour but effectivement de pallier ces déficiences.
Alors ça, c'est une revue. Et puis, autour de la revue, progressivement, au fil des ans, j'ai été amené, en fait, à publier toute une panoplie d'ouvrages de formation religieuse, puisque il y avait vraiment un manque. Alors ça va du baptême jusqu'à l'adolescence, puisque maintenant nous avons même des catéchismes pour lycéens et collégiens. Quoi. D'accord. Et donc en fait on a toute une gamme d'outils d'éveil à la foi, de catéchismes, dont un catéchisme en 3 ans qui a reçu l'imprimature à usage catéchétique de Mgr Hayet, qui D'accord. s'est bien développé dans un certain nombre de paroisses, dans quasiment tous les diocèses et les écoles. Et puis des outils pour découvrir l'Écriture sainte, la Bible, pour se préparer au sacrement, la première communion. Voilà, on a des outils de préparation à la première communion qui ont été diffusés à des dizaines de milliers d'exemplaires, qui sont réédités en permanence. Et puis tous les autres sacrements, enfin la confirmation. Et donc ce sont des outils qui sont des livres, des guides qui sont vendus à la fois en librairie et puis via notre site internet directement. D'accord. Et vous avez donc un réseau de catéchistes qui vous suivent. Comment ça fonctionne? Vous alimentez les catéchistes que vous demandez ou vous publiez sans trop savoir à qui ça va s'adresser? Alors, en fait, transmettre, c'est une équipe de catéchistes et nous sommes aussi conseillés par. Nous avons notre aumônier qui est depuis l'origine un prêtre de la fraternité Saint Thomas Becket, d'accord, qui est une petite fraternité sacerdotale. Alors ce sont plusieurs prêtres qui ont successivement assuré cette mission. Et puis, nous avons donc des catéchistes de différents âges et différentes origines. Et on se réunit régulièrement pour élaborer le contenu de la revue, pour se partager les articles. Voilà, donc, nous avons dans les auteurs, notamment Madeleine Russoka, qui a publié chez nous énormément de livres qui marchent bien, qui sont d'un niveau beaucoup plus exigeant souvent que les publications catéchétiques qu'on peut trouver. Parce que oui, notre référence, c'est un peu le catéchisme de l'Église catholique. Donc nous ne cherchons pas à édulcorer les vérités de la foi. Nous parlons volontiers des fins dernières, qui est un thème absolument abandonné par la prédication. Ah. Voilà, nous parlons de. Ce qui d'ailleurs ce qui est surprenant, c'est qu'on n'arrête pas de nous parler en ce moment de pédagogie. Enfin, c'est très moderne de parler de pédagogie. Et la pédagogie la plus élémentaire consiste à commencer par les fins dernières, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Ouais. C'est assez curieux de cette indifférence vis-à-vis de notre destinée. Ouais, de ce à quoi sert l'enseignement. Ouais, donc, bon, voilà. Et donc, voilà, transmettre, c'est étoffé au fil des ans. Maintenant, on a un catalogue d'une cinquantaine, une soixantaine de titres. – Et alors, vous avez par ailleurs, ça n'a rien à voir avec transmettre, mais c'est votre activité d'éditeur, vous publiez aussi une lettre qui s'appelle « Chrétien dans la cité ».– Voilà, alors ça, c'est une lettre d'information que j'ai créée avant de reprendre transmettre, que j'ai lancée en 96, qui paraît toutes les 3 semaines, et sur 4 pages, en fait, donne des informations très très factuelles en fait sur les initiatives prises par les chrétiens, mais plutôt dans le domaine social, économique, politique. Donc, c'est une lettre qui a été conçue un petit peu au départ sur le modèle des lettres d'information professionnelles. Ouais, voilà. Et alors comment ça s'harmonise? Parce que ça n'a rien à voir, mais en même temps c'est relativement cohérent par ailleurs. Bah, écoutez, c'est peut-être cohérent dans ma pauvre tête, mais… – C'est déjà ça. – Mais dans la tête du lecteur aussi. – Ce n'est pas tout à fait le même public, puisqu'en fait Transmettre s'adresse plutôt d'une part aux mamans, d'enfants qui sont plutôt qui ont des enfants plutôt de moins de 15 ans, et des catéchistes. Bon, alors les catéchistes de tous âges. De tous âges, évidemment. Alors que Chrétiens dans la cité s'adresse plutôt aux chrétiens qui sont engagés dans la vie politique, sociale, professionnelle, des responsables associatifs. Mais qui sont souvent, le mari de. Ah, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver, mais bon, ce sont aussi des publics un peu différents. Parce que, là, je parle en lecteur, je suis pas du tout. J'ai pas de réflexion particulière sur le positionnement de l'une et de l'autre, mais comme lecteur, moi, je reçois irrégulièrement et Chrétiens dans la cité et Transmettre.
Et il me semble assez net que les deux sont faites pour approvisionner les foyers chrétiens qui veulent être chrétiens dans leur vie familiale, évidemment, donc transmettre la foi à leurs enfants en particulier, et dans leur vie politique, sociale, donc ils sont catholiques intégraux, entre guillemets, c'est sans positionnement politique particulier, mais catholiques intégraux, c'est-à-dire qu'ils veulent être intégralement catholiques dans toute leur vie, et donc ils balayent vos publications, si je puis dire, en disant comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à recevoir la foi, comment est-ce qu'on peut accompagner donc le catéchisme, et comment est-ce qu'on peut nous chefs de famille nous engager dans la promotion de la foi dans notre milieu social, quoi. Vous savez, l'accroche de transmettre, c'est évangélisons l'enfance. Mais bon, il faut évangéliser aussi le. C'est ça, c'est toute la société qu'il faut. Toute la société, donc sans exclusive et sans non plus se cacher derrière son petit doigt, ou voilà. Donc, c'est bien mon avis. Ouais. Mais Chrétien dans la cité a un électorat qui est assez varié, avec des sensibilités diverses. Parce que dans le catholicisme social, vous pouvez avoir quand même des différences d'approche. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs d'avoir des échanges avec les uns et des autres. Voilà, il y a beaucoup à faire parce que tout ce qui se réclame de la doctrine sociale de l'Église est aujourd'hui très largement méconnu, oui, ça peut le dire, quel que soient les âges. Donc, mais c'est aussi pour montrer qu'il y a une vitalité du catholicisme. Il y a quelques années, Jean Sévillard avait publié La France catholique, où il montrait que le catholicisme français n'était pas mort. Et c'est vrai qu'on voit que dans tous les domaines de l'économie, de l'école, il y a des initiatives. Bon, dans le sillage de la Manif pour tous, il y a eu une nouvelle génération de catholiques engagés qui ont aussi élaboré des nouveaux projets. Donc voilà, c'est tout cela dont je traite dans Chrétien dans la cité. Eh bien, merci beaucoup, cher Denis. Ici s'arrête notre émission. Nous quittons. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mojand qui animera Terre de Mission. Et donc, nous nous retrouverons, nous, dans 3 semaines. D'ici là, je vous souhaite une très sainte entrée en carême et une bonne marche vers Pâques. À très bientôt et que Dieu nous garde.